Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci de votre fidélité. Bienvenue au programme du soir sur la télévision du monde. C'est votre talk show du lundi, le mardi et le mercredi sur la télévision du monde de Tout au clair. Et Tout au clair vous permet donc de pouvoir analyser et décrypter une actualité. Et ce soir, mesdames et messieurs, nous nous consacrons essentiellement à la publication du tout nouveau rapport concernant l'initiative Survie Cameroun Sorbaval Initiative, le rapport d'audit qui a été mené sur le terrain par un consortium qui avait été commandé par le professeur Maurice Kamito au lendemain du tout premier rapport qui avait fait étalage d'un certain nombre de manquements, mais également de la disparition d'un certain montant, un peu plus de 320 000 euros, soit plus de 217 millions de nos francs CFA. Où sont passés ces fonds-là qui ont d'ailleurs suscité pas mal de controverses au sein des initiateurs de Survie Cameroun Sorbaval Initiative, des contributeurs, mais aussi de la classe politique nationale. De nombreuses questions ont été au cœur du débat, raison pour laquelle un premier audit avait été commandé par le principal initiateur du projet, par le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, le professeur Maurice Kamito. L'a dite affaire alors avait été confiée en son temps à Christian Penda Ekoka comme étant le président du comité de gestion de la dite initiative. Le premier rapport rendu public avait donc précisé qu'un gap de plus de 330 000 euros avait été constaté dans la manipulation des fonds. Toutefois, cette problématique n'avait pas satisfait, faut-il le préciser, l'initiateur du projet, le professeur Maurice Kamito, qui également a prescrit une nouvelle enquête. La dite enquête avait d'abord été confiée à Hans Agnon, Paris, qui a désisté finalement. Un consortium de cabinets d'audit se sont penchés sur la question et précisément sont revenus de loin là sur cette question. Ce soir donc, nous allons nous consacrer à cette problématique. Où sont passés ces fonds jusqu'ici au lendemain de la publication de ce rapport, mesdames, messieurs. Voilà le principal sujet qui va conduire le débat ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair. Bien évidemment, si le temps nous le permet, nous pourrons également évoquer une actualité qui nous arrive du Tchad et qui se consacre au Conseil militaire de transition qui vient de procéder à la nomination d'un premier ministre qui devra conduire la transition gouvernementale dans ce pays qui vient de perdre son président réélu, le maréchal Idriss Déby Idno, en rappelant que le Conseil ministère de transition qui a été mis en place est conduit par Mahamat Idriss Déby, qui est par ailleurs général de corps d'armée, mais le fils du président défunt. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce qui va nous accompagner ce soir dans le cadre de ce programme. Je rappelle que l'émission se veut être interactive. 6-96-14-03-12 ou alors LTMTV officiel. Et vous ferez partie, bien évidemment, de ces fidèles téléspectateurs qui nous accompagnent à travers notre page Facebook dans le cadre de ce programme du soir, Tout au clair, sur la télévision du monde. Une fois de plus, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à ce programme. Tout de suite, le panel qui nous accompagne. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair sur la télévision du monde de ce lundi 26 avril 2021. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Merci d'être au rendez-vous du débat sur la télévision du monde. Ils seront donc des acteurs à nous accompagner encore ce soir. Et parmi ces acteurs, Valérie Mbappé-Mandengue. Je rappelle, il est militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Valérie, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moutoumé. Bonsoir à l'ensemble du panel. Un bonsoir particulier à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce soir et qui permet que de nombreuses populations soient en direct avec nous. C'est un plaisir toujours renouvelé pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de répondre présent à l'ensemble des invitations de la télévision du monde. Je vais profiter
de mon propos d'introduction pour souhaiter un prompt rétablissement à l'ensemble des victimes de l'attentat qui s'est produit à Baminda 2 la semaine passée, où les terroristes se revendiquant d'un mouvement sécessionniste ont eu affaire des victimes dans cette localité. C'est le lieu ici pour moi de souhaiter un prompt rétablissement aux nombreux blessés et un repos de l'âme de tous ceux qui ont perdu la vie. Et surtout de rappeler cette maxime qui a toujours été dite par le chef de l'État, qui consiste à dire deux choses à ces terroristes: soit vous baissez les armes, soit vous intégrez les DDR, ou alors vous devez être dénoncé. Donc les populations qui vivent aujourd'hui la dureté des affres de ce terrorisme sanglant doivent savoir qu'il n'y a qu'une seule voie de sortie, celle qui est indiquée et qui est celle du dialogue. Donc, une fois de plus, bonsoir à tous. Merci Valérie Mbappé Mandengue. Je rappelle, vous êtes militant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous êtes également avec nous ce soir dans le cadre de ce programme. Abel Erim Biloubé, homme politique, mais consultant sur la télévision du monde à travers Toto Clair. Abel, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous renouveler l'amitié de votre chaîne. Et oui, l'actualité nous commande de regarder ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre quelles peuvent être les attitudes que nous devons avoir par rapport à notre propre pays et aux exigences que sa nature spécifique impose. Il est donc normal d'exhorter les Camerounais à regarder attentivement ce qui se passe à côté de nous pour mieux comprendre ce que le Cameroun est, ce qu'il a comme acquis et ce que la situation actuelle du Cameroun induit comme comportement que nous devons avoir en tant qu'hommes politiques. Merci beaucoup à vous, Abel Elie Biloubé, d'être avec nous encore ce soir dans le cadre de cet échange interactif. Notre acteur politique est avec nous sur ce plateau. Nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, Vincent de Poliédé, c'est son nom. Bonsoir à vous, Vincent de Poliédé. Bonsoir Frédéric, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la commune d'Anson de la 3e. C'est bien cela. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous. Je voudrais également préciser que nous avons reçu l'onction du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, qui nous a crédité d'un mandataire seulement jusqu'à 7h. Nous lançons effectivement ce programme. Le dit mandataire n'est toujours pas là. Je permettrai, ou alors je vais demander à la réalisation de pouvoir nous présenter le siège réservé au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, sur ce plateau, pour préciser que ce siège est effectivement vide au moment où nous lançons ce programme, pour ne pas être taxé de partisans autour de cette thématique qui a été posée sur le débat ce soir. L'espace réservé pour le militant du MRC, je rappelle, Laurent Dubois Ndikam, c'est son nom, c'est ce mandataire-là qui nous a été envoyé par le MRC pour venir justement discuter de cette problématique avec nous ce soir. Abel, on va ouvrir avec vous, c'est une tradition dans le cadre de ce programme. Une initiative a été mise en route par le président national du MRC, il a tenu à le rappeler, c'est le citoyen Maurice Kamto qui a effectivement lancé cette action. L'action a connu pas mal de remous avec les pouvoirs publics, mais au-delà de cela, elle a pu être menée, l'argent a été collecté. Au lendemain des collectes, un bilan a été fait, mais le bilan ne semble pas avoir à la fois satisfait le principal initiateur du projet, mais aussi les nombreux contributeurs qui se sont sentis lésés au sortir de cela. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, après ce premier rapport d'audit et un deuxième finalement, analyser cette situation? J'ai eu plusieurs fois à dire à l'attention de nos téléspectateurs d'une manière générale, mais au peuple du changement,
c'est-à-dire l'ensemble des Camerounais qui, à diverses occasions, ont aspiré au changement et pour cela ont eu à voter contre le régime du président Biya. Malheureusement, leur vote n'a pas déterminé de façon significative le cours des événements pour que l'éviction du régime du président Biya advienne. Il m'a été donné depuis un certain temps de leur dire attention. Nos échecs nous sont imputables, bien plus qu'ils ne peuvent être imputés à tout ce que nous avons eu à dire depuis une bonne vingtaine d'années. Accuser le RDPC de fraude, de ci, de ça, pour justifier nos lacunes. Et à l'occasion de l'avènement triste de cette pandémie, il m'a été donné de dire à nos compatriotes que l'opposition est gangrénée de l'intérieur, qu'elle est malade de sa propre maladie, qui est qu'en son sein, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le combat fondateur de l'opposition camerounaise, qui est le combat principalement des années 60-90, parce que les indépendances sont déjà derrière nous, elles ont été gagnées d'une manière ou d'une autre. Le combat d'aujourd'hui est un combat où nous est arrivé de voir que dès que quelqu'un est contre le régime, il est un opposant, il est dans l'opposition. Cette initiative qui était illégale, qui était politiquement incorrecte, qui a été combattue par les pouvoirs publics à juste titre, mais qui a été combattue par certains membres de l'opposition, dont moi-même. Sa fin justifie qu'on ait combattu. On a l'habitude de dire que la fin justifie les moyens. Parce que quand vous avez de mauvais moyens, vous arrivez à une mauvaise fin. Et quand on voit que l'affaire est mauvaise, on comprend donc que les moyens n'étaient pas bons. C'est ce qui arrive. Nous avons dit ici qu'il n'est pas du ressort d'un parti politique de collecter de l'argent à l'effet de prendre en charge les problèmes de santé publique. Ce n'est pas la mission d'un parti politique. Mais je rappelle que Maurice Kamto a précisé qu'il n'était pas question de son parti politique, mais davantage du citoyen Maurice Kamto. Il était question de son parti politique. S'il le dit, ce qu'il ne dit pas, il n'est pas sincère envers les Camerounais. Et d'ailleurs, les Camerounais ne sont plus dans ce débat. Ils ont tiré les leçons. Je dis simplement que la situation dans laquelle se trouve et lui-même, M. Kamto, et son mouvement par rapport à cette initiative justifie ce que nous disions déjà en son temps, que c'était une mauvaise initiative, c'était une initiative qui jette de l'opprobre à l'opposition, sur l'opposition, c'était une initiative menée par des esprits qui n'ont rien à voir avec la lutte de l'opposition. Nous l'avons dit en son temps. On nous a taxés d'opposants des opposants. Mais je saisis cette opportunité pour dire que on n'est pas dans l'opposition pour faire la même chose. Il y a des gens qui sont dans l'opposition pour persécuter le régime dont ils sont issus. Ils n'ont rien à voir avec la lutte d'Anissé et Kane, ou la lutte de Nibilobe, ou la lutte de John Fundi, ou la lutte de bien d'autres. Ce n'est pas les mêmes luttes. C'est une lutte parce que ils sont des créatures du régime et que le régime ne leur a pas donné certaines choses à certains moments, ils deviennent des oppositions ou bien des opposants. Et j'ai exhorté nos compatriotes à se détourner de ce type d'acteurs politiques. L'initiative dont nous parlons aujourd'hui, qui est à sa deuxième ou à son deuxième élément, et qui
se solde. Et vous n'achetez pas. Et qui se solde tout compte fait par des malversations, nous montre la qualité des hommes. La qualité des hommes qui écume l'échiquier de l'opposition camerounaise et nous amène à dire une fois de plus, faisons attention aux hommes qui se baladent devant nous tous les jours, tous les samedis, tous les dimanches, au nom de l'opposition et qui prétendent être en train de lutter contre le régime. À tout ce monde-là, j'ai gardé ce verset biblique. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée en lui disant « L'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises. » Et en aspirant à cet amour, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés partout de bien de douleur. Merci beaucoup, Abel. L'amour de l'argent. Pour cette première l'opposition n'a rien à faire avec. Merci beaucoup, Abel Mbélé, pour cette première contribution à cette émission de ce soir. Vincent de Paul Yédé, peut-on aujourd'hui se satisfaire de cette autre sortie du professeur Maurice Kamto qui apporte des clarifications à ce rapport d'audit? Je rappelle que trois entreprises se sont mises ensemble pour auditer les comptes du Survie Cameroun au moment où la classe politique, les contributeurs, les populations étaient entièrement divisées autour du Survie Cameroun. Ça revient à l'initiative. J'ai bien comme l'impression que c'est une opération impropre que ce président du parti veut faire. Parce que, ayant essuyé les critiques venant de partout, et surtout ce montant qui a été dévoilé, manquant à l'appel, et on se rend bien compte qu'il y a un problème avec la moralité publique de ceux qui se battent pour diriger ce pays. Il est question ici de prouver qu'il a les mains propres. Et c'est pour ça qu'il se bat. Et on se rend bien compte que entre son allié d'hier, qu'il a choisi comme étant le président du comité de gestion, et lui, il y a des voix discordantes. Et cela ne date pas de ce rapport seulement. Ça date du premier, où M. Penda a demandé un rapport qu'il a rendu public. On a quand même été surpris de constater que le président du MSC ait décidé de passer outre ce rapport en le qualifiant d'incomplet. Sauf que cet audit qui est fait là ne dit pas où sont allés les 300 000 euros. C'est-à-dire que c'est exactement au même niveau que le premier audit. Si on dit le bug, c'est à peu près la même chose que le premier audit disait. Mais lui, au moins, il donnait plusieurs possibilités sans être affirmatif de ce qui pouvait être à l'origine de ce gap-là. Mais il y a une entourloupe dans cette action qui a été menée. Parce que je voulais quand même rappeler cela que cette initiative est lancée à la suite des ultimatas qui avaient été lancés quelques semaines plus tôt par le président de ce parti, qui à l'époque se revendiquait encore d'être le président élu. Et il avait dit prendre ses responsabilités. Au moment où il le faisait, ce n'était pas le citoyen. Il le faisait comme étant le président élu. Et il s'est appuyé sur son organisation politique. Et d'ailleurs, toutes les collectes de fonds qui ont été faites, tous les différents acteurs au long de ce processus sont les militants de ce parti-là, qui, selon ses dires,
ne comprenait pas qu'il ait confié la gestion de cette initiative à quelqu'un d'autre qu'un membre du MSC. Et donc il y a eu des pressions et qui aboutissent aujourd'hui à ce que nous voyons là. En réalité, le souci était de créer une boule entre les deux. Le deuxième étant venu ravir la place de ceux qui estimaient devoir être là. Donc, ça pose un problème sur le plan de la moralité publique. La critique des autres ne nous rend pas forcément meilleurs. Nous attendons toujours que les clarifications telles qu'ils veulent les donner, qu'ils finissent par les donner. Mais nous, on a compris clairement que nous sommes tous des Camerounais. Et nous... C'est qu'on peut être rattrapé par les démons du Cameroun. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Vincent Poliedi. Je rappelle que vous êtes militant du PCN. Valérie Mbappé-Mandengue, les collectes ont été lancées en 2020 après les opérations de distribution des éléments constitutifs des achats issus de ces collectes-là. Un audit a été commandé, le premier conduit par Christian Pindaïkoka. Audit n'a pas rassuré les contributeurs en convoquant le président, alors l'initiateur du projet. Celui-ci s'est lancé dans un nouvel audit. Est-ce à dire finalement que la brouille reste permanente ou il y a eu une véritable brouille autour de la collecte des fonds pour le projet Initiative ou suivi Cameroun Survival Initiative? Écoutez, nous sommes face, Monsieur Moutoumé, nous sommes face ici à un énième épisode de la saga Survival, parce que moi je l'appelle une saga, puisque à chaque étape... Ça peut être un peu péjoratif aussi. À chaque étape, cette initiative nous a ressorti des épisodes. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais nous sommes rendus aujourd'hui pratiquement à un an du début de cette initiative. Et souvenez-vous, voilà pourquoi je vais un peu revenir sur vos propos en début d'antenne. Au début de cette initiative, dans une chaîne concurrente à la vôtre, le MRC et l'ensemble de ses communicants avaient scandé partout et à qui voulait l'entendre que cette initiative ne venait pas du... Elle était une initiative citoyenne que des Camerounais avaient estimé qu'elle devait se mettre en place pour, disait-il à l'époque, nécessiter ces lois. Encore qu'à cette époque, nous n'avions pas vu un Camerounais qui était tombé parce que l'État du Cameroun n'avait pas pu l'accompagner dans le cadre de cette pandémie. Lorsque nous finissons de dire cela, lorsque je vous parle de la saga, c'est qu'il faudrait, pour les téléspectateurs qui s'informent sur le sujet à l'instant, savoir que nous sommes aujourd'hui, je crois, au troisième audit. Et à la suite du panéliste précédent, je voudrais rappeler qu'un grand cabinet d'audit, que je ne voudrais pas citer ou que je citerai, Ernst & Young, avait fait un démenti public sur un organe de presse pour indiquer qu'il n'avait jamais été associé à cette initiative. Or, le président de ce parti, qui au début ne se revendiquait pas de cette initiative, s'est remis à dire que c'est lui le seul capitaine du bateau. Ça, c'est d'un. De deux, je voudrais vous dire ici, M. Moutoumé, peut-être cela vous a échappé, les premiers soupçons de détournement des fonds de Survival Cameroun ne viennent pas principalement du fait que le directoire de ce parti se sente concerné. Ça a été un mouvement spontané, parti des militants de ce parti jusqu'aux réseaux sociaux qui s'étonnaient d'un certain nombre de choses. La première chose est laquelle? Les fonds sont déposés d'abord dans le compte d'un responsable du MRC en Europe qui se nomme M. Henri Djoko. Et ce qui a attiré l'attention de tous les Camerounais, c'est que celui-là est un interdit bancaire depuis près de 4 ans. C'est-à-dire que la justice française a constaté qu'il a mal à partir avec la gestion financière. C'est à celui-là, dans un compte privé, que Kanto décide que l'argent de Survival doit aller être hébergé. Ça, c'est bien. La deuxième chose, où est-ce que la fracture
se mette en place entre M. Ekoka et son compère Kamto. Il vient tout simplement du fait, je ne vous le rappelle pas, vous êtes un journaliste chevronné, M. Ekoka a fait une sortie qui a fait le tour des réseaux sociaux, où il informe qu'il y a d'abord une première collecte de 400 000 euros à laquelle, une fois installée, son équipe n'a pas pu avoir accès parce que c'était des militants du MSC qui géraient cette plateforme. Donc en réalité, nous devons faire une modification sur le sujet qui nous incombe. Nous ne parlons pas de 320 000 euros. Nous parlons juste de 720 000 euros en réalité parce que jusqu'à présent, on n'a pas une situation réelle de 400 000 euros qui sont quelque part entre M. Henri Djoko, M. Kamto et le trésorier du MSC, M. Fogué. Parce qu'il faut très bien savoir que les deux audits qui ont été rendus publics sont restés principalement focus sur les 320 000 euros qui jusqu'ici ne semblent pas avoir une destination définitive. Mais M. Moutoumé, cela n'illude pas que nous ne fassions pas un état des lieux de l'ensemble des zones d'ombre qui entourent cette opération qui aujourd'hui, sauf secret de Polichinelle, apparaît comme la plus grosse opération jamais connue dans ce pays en termes d'escroquerie et de détournement de fonds au sein d'un parti politique. C'est des choses suffisamment graves. Pourquoi? Elles sont suffisamment graves parce que lorsque vous dites, M. Moutoumé, que vous aspirez à la fonction suprême de commandement qui est celle de la présidence de la République ou celle qui sont sous-jacentes, vous avez une obligation de probité, d'exemplarité et de clarté. Et plus loin, on va dans la deuxième partie de l'émission aller sur la question même de cette exemplarité. Parce qu'il est une chose, comme on dit, là est facile. Il est une chose de venir nous dire que vous avez mis en place un projet, un programme, et il est une autre de venir nous ressentir l'effectivité. Parce que ce que nous voyons actuellement, qui est suffisamment grave, appelle chaque Camerounais à une introspection personnelle sur toutes les offres politiques qui nous ont faites. Maintenant, dans la deuxième partie de l'émission, on va y revenir. Alors, Abel Mbounibel, on a donc cet autre audit qui a été rendu public, et le professeur Maurice Kamto a tenu à le préciser. Il annonce que c'est davantage un bug informatique qui pourrait justifier les écarts observés dans la manipulation des fonds collectés pour l'opération Survie Cameroun sur la initiative. Moi, je dis à nos compatriotes qui nous écoutent, j'ai attiré votre attention sur le fait qu'il y a des mauvais opposants. Je vous avais dit ça. Les faits ne font que commencer à me donner raison. Mais je ne suis pas heureux d'avoir raison. J'aurais souhaité avoir tort. Parce que, une fois de plus, on retrouve M. Kamto dans des situations extrêmement iconoclastes. Divorce avec Paul Eris Kinger. Leur union ou leur mariage, qui était un mariage de circonstances, je rappelle que ça avait commencé par des querelles où M. Eric il taxait M. Kamto de tous les noms d'oiseaux, à raison, emporté par son orgueil personnel. Et puis, ils se sont mariés à l'occasion des élections présidentielles. Et c'est Eric qui disait tout le mal de Kamto, qui commence à nous dire que Kamto, c'est lui qui doit devenir le président de la République. On est à peine sorti des élections présidentielles que M. Eric nous dit maintenant comment Kamto est terriblement mauvais. À peine le pays est frappé d'une épidémie, une pandémie extrêmement grave, où nous avons sonné le tocsin pour dire aux hommes politiques, il y a des choses pour lesquelles tout le monde doit se donner la main. Et qu'il ne faut pas instrumentaliser les morts à la suite d'une épidémie pour faire de la politique
de prétendre combattre le régime. On a dit qu'on nous a achetés. Aujourd'hui, on voit très bien que cette opération-là, qui divise Ekoka, et quand qui se sont mariés à l'occasion des élections présidentielles, était d'abord une opération d'anarque. Et quand M. Madengue dit... Pourquoi vous l'attaquez d'opération normale, la, la dite opération la avait un objectif bien précis. C'est ça l'anarque. L'anarque apporter une contribution. C'est ça exactement. Je vous dis que l'argent que vous me donnez, c'est pour acheter de l'eau. Et je prends cet argent, je vais faire autre chose avec. C'est ça. Ils ont acheté des masques. Ils ont acheté des gels. Peu importe. Ils ont acheté du matériel qui a été distribué un peu partout dans le pays. Puisque nous refusons de l'autorité. 300 000 euros ne sont pas allés faire cela. C'est tout. Les audits nous montrent que 300 000 euros ne sont pas allés acheter les masques. Mais 300 000 euros sont bloqués dans les machines à raison du bug informatique. Je ne vais pas participer à, comment on appelle ça en français, la dérision ou ce que vous êtes en train de faire. Parce que des arguments comme ceux-là insultent toute une nation. Quand vous, M. Ekoka, qui est bien connu pour sa finesse dans la manipulation des concepts et des éléments économiques en matière financière, et que vous avez justement pris. Il avait été pris pour mener cette opération parce que sa crédibilité professionnelle devait crédibiliser l'opération. C'était ça le calcul. Vous voyez qu'on était dans une manipulation des consciences. On utilise Ekoka parce que son nom va crédibiliser l'opération. Une fois que l'opération est foirée, Ekoka vous dit que l'opération est foirée. Vous prenez Ekoka maintenant. Vous ne voulez plus que sa parole, sa personne, son crédit professionnel crédibilise la conclusion. C'est-à-dire qu'on n'est plus d'accord que l'opération est foireuse parce que Ekoka le dit. Si Ekoka avait dit que l'opération était bonne, on aurait dit un grand économiste comme Ekoka, il dit que c'est une bonne affaire et vous dites non. Comme Ekoka dit maintenant que ce n'était pas bon, il y a de l'argent qui a disparu, on enlève Ekoka. Ekoka fait l'objet de toutes les foudres maintenant. On s'en va maintenant.